J'espère que tu te sens mieux, ma chérie. Les petites maladies là me fatiguent. Je suis fatiguée. Hein? Je sais même pas pourquoi Dieu a créé cette maladie. Arrête de pleurer. Et arrête de blâmer Dieu, ça va aller. Mais je souffre. Qu'est-ce que tu comprends pas? Mais tu souffres comme moi aussi. Arrête de blâmer Dieu. Ok. Je vais aller chercher ton ordonnance. Quand je vais t'aider tes affaires. Dodo, ça va. Faut laisser. Je te retrouve au portail. Vas-y. Je vais soulever. J'arrive. Ok. Non, à tout à l'heure. Ok, tout à l'heure. J'espère que je ne vous ai pas fait trop mal. Non, ça va. Laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous aider. Mais pourquoi vous êtes si triste comme ça? Vous allez où? Je vous accompagne? Non, merci, ça va. J'ai mon ami qui m'attend au portail. Mais j'insiste. Non, mais ne vous sentez pas gêné. Je suis juste venu chercher les résultats de ma mère. Et là, j'ai fini. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est Herman. Enchanté, Laura. Donc, je vous accompagne alors. Ok. Ok. Tu m'as appelé de venir, je me suis dit que ça n'allait pas. Non, faut pas t'inquiéter, c'est même pas ce sujet-là, c'est pour autre chose que je t'appelle. Ok, non, je t'écoute. Il y a affaire, oh. Herman veut m'épouser. Mais c'est une bonne nouvelle. J'espère que tu lui as dit la vérité sur ton état de santé. Si c'est pour ça, là, c'est une bonne nouvelle. Je ne lui ai rien dit. Mais pourquoi? Mais ça sert à rien même parce que je ne vais pas l'épouser. Il y a pourquoi dedans? Même si tu ne veux pas l'épouser, tu dois l'appeler pour lui dire la vérité sur ton état de santé. Quelle vérité? Hein? De quoi tu parles, ma fille? Enfant du diable. De quoi tu parles? Toi là, quel genre d'ami tu es pour donner de tels conseils? Hey! Aujourd'hui, ma fille va se marier avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui l'aime. Et toi, tu veux gâter leur relation. Panti, ce n'est pas mon intention. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Je lui ai juste dit d'appeler le monsieur pour lui dire la vérité sur son état de santé. Peut-être qu'il va vouloir l'épouser. Ferme ta sale bouche. Depuis, je disais que toi là-même, tu es une sorcière. Maman, arrête ça. Pourquoi? Tu sais très bien que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Peut-être qu'elle a mal formulé, mais maman, arrête ça. Regarde-toi. Toi, tu es une idiote. Tu vis sur quelle planète? Mars ou bien la Lune? Tu vois même pas, ou bien tes yeux, tu vois pas qu'elle est en train de vouloir gâter ta relation. Boss, tu as eu là, elle veut gâter. J'ai dit Laura, je ne veux pas entendre plus. Ok, bonne soirée. Hé, hey, viens. Maman, pourquoi tu lui parles comme ça? Hein? Arrête ça. Moi, qui suis ta mère, tant qu'elle vient de ma maison, je lui parle comme je veux. Toi là, je veux plus t'entendre. Dis que je veux plus me marier à cet homme. Mais maman, le gars il est tellement gentil avec moi. Qu'est-ce que je lui fais ça là? C'est comme si je lui faisais du mal. Quelqu'un même quand tu veux ça il te donne, tu veux ça il te donne. Maman, si je l'épouse là, je lui fais du mal. Et rien ne va lui fais arriver. Comme si c'était ton fils. Tu fermes ta bouche. Ma fille, aujourd'hui tu as l'opportunité d'avoir un homme qui t'aime, qui va prendre soin de toi. Ne rate pas cette occasion. Si tu rates cette occasion, moi qui suis ta mère, je vais te renier. Mais maman, je suis sérieuse. Fais juste ce que j'attends de toi. C'est tout. Hey! Maria, ça là, on va faire. Nianke.
je suis content, hein. Ouais, je suis content que tu aies pris enfin cette décision. Je t'ai dit, j'attendais juste d'avoir une bonne femme et Laura est celle que mon cœur a choisie, donc. Ouais. Je suis content. Elle est bien. Elle est bien éduquée. Oui, pour ça. Dès que tu me l'as présentée, moi, je suis tombé amoureux d'elle. Hein. Tu es quoi? Tu es tombé amoureux de ma fiancée. Oh, idiot. C'est simplement une manière de parler. Ah, mais dis-moi ça. C'est simplement pour te dire que... C'est simplement pour te dire que je l'apprécie. Ah. Et puis, bon, tu vois, moi, je ne peux pas tomber amoureux de ta fiancée, toi aussi. Ah, vraiment, hein? Tu ne peux pas même. Tu ne peux pas. Ok, ok. Dis-moi, le mariage, c'est pour quand? Actuellement, je ne sais pas, parce que je l'ai proposé à Laura. J'attends juste qu'elle me réponde. Et puis, Ok, ok. Juste qu'elle me réponde. Mais est-ce que vous avez déjà couché ensemble? Ah, Patrick. C'est quelle question, ça? Non, non, j'ai essayé, mais elle a refusé. Ah, elle a refusé, là, ouais. Ça veut dire que c'est une bonne femme, elle est sérieuse. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Merci, mon frère. Je te souhaite le meilleur. Merci. Et puis, j'espère que vous allez faire votre test du VIH, de drépanocytose, et aussi les autres tests qu'on fait avant le mariage. Tu sais, Patrick, je ne suis pas infecté, Laura non plus. Ou bien elle ressemble à quelqu'un qui est infecté. Ok, si tu le dis. Bon, j'ai une opération dans 2 heures. Ok. Hein? Je vais aller me préparer. Bah, donc on se dit à plus alors. Ouais, à plus. Donc là, on se retrouve dans le petit coin là. Okay. Dans le petit coin, ok. Okay. Hey man. Oui. Le futur marié. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu sais, chérie, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée cette année. Tu as touché mon cœur, tu as touché mon âme, bébé. Et je suis vraiment content de t'avoir comme femme. Sache que je t'aime. Moi aussi, je t'aime, chérie. André. Ah, salut les amoureux. Mon ami Patrick. Ouais. On dit quoi? Oui, ça va. Bonjour. Madame. Bonjour, Patrick. Comment tu vas? J'espère que je ne vous dérange pas. Hein. Non, Patrick, toi aussi. Ah. Fais comme chez toi. Ah. Comment tu vas? Attends, tu peux nous apporter un peu d'eau? Ok. Merci beaucoup. Je te sens heureux, là. Je suis heureux. Ouais. Je te dis, mon ami, pour moi, j'ai une très bonne femme. Elle est si douce, si câline. Je suis l'homme le plus heureux de la terre. En tout cas, je le vois. Et je suis très content pour toi, en tout cas. Merci beaucoup, merci. Mais il ne suffit pas seulement d'être content. Hein. Faut que tu te maries aussi. Oh, tu sais, moi, je ne suis pas pressé. Hein. Hey. Je prie Dieu pour qu'il me donne une bonne femme. Hey, Patrick, mais Dieu a quoi à voir dans ton affaire de femme? T'es pas un homme ou quoi? C'est Dieu qui va chercher femme pour toi. Mon cher, moi, je ne veux pas me marier avec n'importe quelle femme. Ah, d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. En tout cas, Dieu va te donner une meilleure femme comme Maloua. Ah, ok. Va. T'inquiète pas. Mais à ce sujet, elle a mis du temps. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Chérie? Excuse-moi. D'accord. T'attends depuis peu, il y a Patrick qui doit partir. Non, je prenais des médicaments. Et c'est quel genre de médicaments tu prends? Tu sais, tu es enceinte et tu n'es pas encore guérie. Ne prends pas n'importe quel médicament. Non, j'ai juste mal à la tête. Donc voilà, c'est ces médicaments-là que je prenais. Ça va. Laisse-moi voir. Oh non. Je prends là si je m'en occupe. Ok, je vais aux toilettes rapidement. D'accord, pas de problème. Comment tu vas, Laura? Ça va. C'est pas trop la forme, mais bon, on fait avec, sinon... Ah, ok, je vois.
Bon, j'ai là les résultats de ton test VIH. Mais avant toute chose, je voudrais te dire que des gens vivent avec le VIH sans problème. Tu peux vivre une vie saine et vivre une vie normale. Parce que là, ton test, il est positif. Quoi? Laura, tu as le virus du sida. Mais là, je vais t'accompagner au département qui s'occupe des personnes atteintes du VIH. Et ensuite, je vais informer Herman. Non, 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 non. Ne fais pas ça, Patrick. Ne fais pas ça. Attends, je te dis la vérité. J'ai quelque chose à te dire. Patrick. C'est un peu délicat, mais écoute-moi. 2 semaines avant notre mariage, Herman m'a annoncé qu'il était malade et qu'il avait le sida. Mais comme je l'aime, j'ai accepté de l'épouser. C'est ainsi que nous avons fait le mariage. Et il ne m'a rien dit à ce sujet-là. Mais tu sais comment vous êtes. Tu sais comment vous êtes les hommes. Il a honte. Donc, il ne peut pas raconter ça à tout le monde comme ça. Et voilà. Lui-même, il n'accepte pas la maladie. Donc, si tu lui dis, il va automatiquement savoir que c'est moi. Et il va se fâcher. Donc, s'il te plaît, ne lui dis rien. Okay. Fais-le pour moi. Ok, j'ai compris. Mais vous êtes quand même sous traitement, non? Oui, 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 nous le sommes. Ça va. Ok, mais toi, tel que je te vois, tu ne me donnes pas l'impression de prendre tes ARV. Parce que tu es tout le temps malade. Je les prends, je les prends. Tu es sûr? Oui, oui. Ok. Bon, ben, je vais t'accompagner au service, au département qui s'occupe des personnes atteintes du VIH. Ok, ok, parce que j'ai mon amie qui m'attend dans le hall. Ah, d'accord. Elle m'attend, donc je vais partir avec elle. C'est pas la peine, te dérange pas. D'accord. Au moins, je vais te accompagner à la porte. Alors. D'accord, d'accord. Docteur, c'est mon ami qui est là. Emmanuela, je te présente Patrick. Enchanté, docteur. Bon, nous on va partir. Ok. Bon, ben au revoir et puis. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne veux plus te marier à ce monsieur. Après tout ce que j'ai fait et sacrifié pour toi, ma fille, tu as la chance d'avoir un mari qui t'aime et qui te donne beaucoup d'argent. Et toi, tu veux le quitter? Maman, il ne s'agit pas d'argent. Je suis fatiguée, je ne peux plus continuer comme ça. C'est dur. Même si tu étais à ma place, tu n'allais pas pouvoir supporter. Regardez-moi ça. C'est maintenant que tu es enceinte là que tu veux le laisser. Hey, dis-moi, mais qui va s'occuper de ton enfant? Hein? Je sais pas, je suis confuse, mais fatiguée. Je ne peux plus continuer dans ce mensonge. Ça pèse. La dernière fois, il m'a surpris en train de prendre mes médicaments. Si, là, j'allais dire quoi, maman? Si toi, tu ne sais pas. Moi qui suis ta mère, je sais. Tu vas rester dans ce foyer. Il faut sauver ton mariage. Si tu ne veux pas qu'il te supprime, tu allais dépendre tes médicaments. Rien ne va t'arriver, ma fille. Sois-en sûre. Hey, maman, oui. Il s'agit de ma santé. La santé de ta fille, maman. La santé. Ta santé. Écoute mes conseils. Écoute mes conseils, ma fille. Ton mari ne va rien découvrir. Rien. Au moment où il saura que tu es infectée, lui aussi sera infecté. Il ne peut jamais se douter que ça vient de toi. Sauf ton foyer. Je suis sérieuse là, maman. Faut sauver ton foyer. Salut.
comment vous allez? Ça va. Tu te rappelles de moi, non? Oui, je vous ai vu hier. Ah, d'accord. Tu as un parent qui est infecté, qui est là. Je peux t'aider, hein, je connais des gens dans ce département. Non, c'est bon. Non, je vous en prie, j'insiste. Hein? Laissez-moi vous aider. Docteur, je suis venue seule. Je suis venue prendre mes ARV. Ah, d'accord. Désolé, hein. Non, ça va. Voilà, là, j'attends juste Laura. On a rendez-vous aujourd'hui. Hein? Elle devait être là depuis, mais elle n'est pas encore arrivée. Sûrement qu'elle est en retard. Elle a finalement dit la vérité à Eman. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par « dire la vérité à Eman » ? Lui dit qu'elle est infectée du virus du VIH. Je lui ai dit de dire la vérité à Eman avant qu'il se marie. Elle est tout le temps malade. Actuellement, je vous parle à l'hospitaliser. Attends, tu es en train de me dire que Eman ne sait rien de cette affaire ? Mais Laura m'a menti. Ok, je dois partir. Hein? Content de vous voir. Ok. Ça va? Tu as bu tes médicaments? Salut. Salut, Eman. Salut, Patrick. Et toi, Laura? Il y a du mieux? Ok, Herman, j'ai là ton test de dépistage. Hier, je t'avais demandé de venir le faire. Là. Bon, ben, je ne t'ai pas dit aussi pourquoi. Et pourquoi? Laura, Laura peut t'expliquer. Expliquer quoi? Laura, tu lui dis la vérité sur ta santé ou bien moi-même je vais le faire. Chérie, qu'est-ce que tu as à me dire? Dis-le-moi, tu sais que je suis là, on va tous se monter ensemble. C'est parce que je t'aime que je suis là, donc parle-moi, d'accord? Chérie. C'est quoi? Je voulais te dire la vérité. Y'a quoi? Chérie, je t'en supplie, promets-moi. Mais explique-moi au moins. La vérité est que... j'ai le sida, je suis séropositif. T'as quoi? Je voulais te dire la vérité, je t'en supplie. C'est maman qui voulait pas. Maman m'a empêchée de te dire la vérité, chérie. Attends, donc tu voulais me tuer? Non, comment te tuer? Je t'aime, je peux pas te tuer. Même comment? Tu appelles ce que tu m'as fait là de l'amour? Non, je t'aime. Attends, Laura, Laura, tu es un assassin? Bon, maintenant je suis infecté, tu veux que je te pardonne comment? Eman, calme-toi. Non, non, mais... Hein? Eman, calme-toi. Tu sais, tu n'es pas infecté. Tes résultats à la test. Oh, Seigneur, merci. Dieu t'aime, hein? Oui. Tu sais, c'est pourquoi j'insistais auprès de toi pour que tu fasses ton test avant le mariage. Parce que plusieurs personnes sont infectées, mais... le cache au partenaire. C'est toi qui avais raison. Chérie, tu vois, chérie, je dis la vérité, je te supplie. Me touche pas, attends, me touche pas d'abord, attends, me touche pas. Tu sais, tu dois lui pardonner et l'aider. Son ami m'a tout expliqué. En réalité, bien vrai qu'elle t'a caché beaucoup la vérité, mais... c'est sa mère qui l'a poussé à le faire. Donc, faut lui pardonner. Tu vas retourner chez ta mère parce que j'ai besoin de réfléchir. Tout ça, c'est un peu trop pour moi. Non, j'ai besoin de toi. Non, arrête. Non, s'il te plaît, non.